Ben, bienvenue dans ce live. Et oui, on se retrouve aujourd'hui avec notre petit entraîneur Eric Voltaire. Voltaire Eric. This is Pepe's Jeans. Ah, Voltaire is Jeans. Alors attendez, je teste un peu le live. Voir si tout fonctionne bien. Et je suis à vous. Pour cette partie 7. Pour cette partie 7. Hey. Nickel, parfait. Petit temps de décalage, c'est pas grave. Ah, parfait. Je mets la gestion du stream et je suis à vous. Allez. Hop. Eh bien, bienvenue à tous. On se retrouve pour ce live. On va continuer cette saison. Bientôt la trêve hivernale. Pour cette saison où je ferai d'autres vidéos. Hein. Cette saison. Ben, je crois qu'on va pas tarder à arriver à la trêve hivernale. Ouais. Allez, on y va. On joue contre Nice, qui est concurrent direct. Vous voyez, on est deuxième, ils sont troisième. Je vous remets un peu le classement pour vous remémorer. Et c'est parti. Alors, on va changer un peu de tactique. Gavi, tu vas jouer, mais je voulais faire jouer, rejouer un peu mon petit Ricky Puig. Pour prendre un peu de confiance. Milik, toi, tu vas partir. C'est décidé. Balotelli, tu vas jouer. Ronaldo, tu vas être sur le banc. Ricky Puig, Gavi, petite charnière. Et Trincao, qui va remplacer notre cher ami. Rio a fait ses preuves. Est-ce qu'on peut le mettre sur un match aussi compliqué? Difficile à dire. Mais en tout cas, il a fait ses preuves. Hop, j'ai bien envie de mettre les deux gardiens ici. On va mettre Ryu. Hop, Lopez, on va le sortir. Et on va mettre. Attends. Attends, tu vas jouer. Il faut que tu reprennes confiance en toi aussi. Voilà, on a fait pas mal de changements. Bah, gros live. El manip del timone. Si. Si, signor. Bienvenue à toi, Maxime. Bienvenue à toi. J'étais en train d'essayer de me souvenir, c'était quoi ton pseudo. Mais. T'as vu ça? Ça paye hein, de travailler à Timon, on est obligé de faire des lives. Non, je rigole. Vamos, Grimaldo! Les maxis, on arrondit les fins de mois ici, tu as raison, putain. Inch'Allah. Que tout le monde t'entende. Je fais des heures sup, mais en live. Oh, cette tête. Cette tête de ce gif là, elle est incroyable. On dirait moi après être parti aux toilettes. Olé! Ça part, Grimado! Il y a des gains qui tuent. Oh! Faut dégager. Alors, les vacances, Maxime, ça se passe comment? Enfin, les cadrés là, ça va pas du tout. C'est toujours comme ça le premier match, c'est toujours compliqué. Ouh, quel dégagement. Payet, oui. Oh, tu es passé. Tu es passé. C'est passé. Allez, Gavi, oh, allez, dans le vent. Ah, c'est quoi ça? C'est quoi ce tir de vieille?
Complètement à l'opposé. En direct de la piscine, là, sur ton live. Eh ben, t'as bien raison, rafraîchis-toi. Il fait 40 degrés à Marseille. Je sais pas comment il fait chez toi, mais... Il fait très chaud. Ce soir, en plus, je suis d'astreinte. Donc, je me détends un peu. Il y a hors-jeu, il y a hors-jeu. Acid jump, acid jump. Aux armes. Putain, là, en plus, on joue pour le haut de tableau. Olé! Vamos! 37 degrés, il fait? Ouais, mais il est hors-jeu, lui. 37 degrés, bah écoute. Je viens de te croire, nous, il fait, je crois, 42 au soleil et ressenti 40 à l'ombre. Genre 2 degrés, quoi. C'était l'enfer pour travailler. Je te dis pas comme j'ai allumé la clim. L'IRM, ils arrêtaient pas de. Ouf. L'alerte était sérieuse. Désolé, je suis concentré. I got my warning and I'm tan tan. Aux armes. Tiens. On se fait dominer là. Ça, c'est lui, tac, tabarnak. Il a essayé de faire quoi là? Non. Putain. On subit, les amis. On subit. Non, but de vieille. Bon, c'est toujours comme ça, petite douche froide, mais après, on remonte. Il y a intérêt. Après, j'ai mis l'équipe B aussi. Hein. J'essaie de faire tourner un peu tout le monde. Je joue gros déjà en Ligue des Champions, alors. Va falloir réajuster tactiquement là. Oh l'arrêt. Joli arrêt de Ryu. En plus, c'est un jeune que j'ai mis dans les cages. On peut pas lui en vouloir, hein. C'est moi qui fais la merde. Qu'est-ce que tu nous fais? Ah, si tu m'étonnes. 1-0-1. Ça va revenir, ça va revenir. Ça part pas, il n'y a pas de mouvement dans cette équipe. Putain. Aucun mouvement. Nul, nul, Germain. Il n'y a même pas Germain, je dis ça. Oh là là, oh là là, on se fait... Ouf. On se fait dominer. Comment je peux faire? J'ai aucune ouverture. Ouais, j'en avais une là. Ah, peut-être c'est bien joué ça. C'est bien joué, mais 30 secondes. En plus, on est obligé de courir après le ballon, il y a des gains. Non, il y a hors-jeu là. Oui. Joli là, rien. Putain, oui. Va falloir densifier le milieu là. On va peut-être mettre un rongier qui récupère bien les balles. Il n'y a pas hors-jeu. Il y a hors-jeu? Y a pas hors-jeu, je te dis. Ah, d'un talon sur ma vie. Oh là là. Voilà. Putain, ça. Oh là là, putain, par contre, il fait des arrêts fantastiques, notre ami le gardien.
Ça commence à être tendu. On va faire des changements là. J'hésite trop, les 30, la 38e minute. Ça me paraît un peu court pour faire des changements. Putain! Oh, j'ai jeté la manette. Oh, j'ai jeté la manette. Putain, 2-0. J'y crois pas. Allez, on va faire les changements là, c'est plus possible. C'est pas tellement l'attaque, parce que l'attaque, il a pas eu beaucoup de ballons, mais c'est le milieu là, Ricky Pouille, pas forcément en jambes. Je peux pas. Fais chier. Je sais pas quoi faire. Allez, reprends confiance en toi, Ricky. Il faut que ça percute plus en attaque, là. Pas de solution. Allez, Ronaldo. On va le mettre en AG. Voilà, on va voir ce qu'il va faire. Il est pas super, Ronaldo. Eh ouais, je sais, tu rigoles, mais... Oh, c'est chaud, hein, de mettre un but. Tabarnak. Enfin, c'est chaud, pas pour eux. Allez, Grimaldo. Ah! Putain, ça a failli passer. Je sais même pas s'il y a eu petit pont ou pas. Tu l'as! Non, tu l'as pas. Oh, tu l'as. Non, tu l'as pas. Ouf. Allez, bats-toi! Vamos, non! Oh là là. Allez, Balotelli. Oh, j'arrivais même plus à parler. Oui! Oui! Eh oui, papa! Le retour! Mario Balotelli. Vamos! Allez, la remontada. CR7 est là. Bon, on a profité d'une erreur, hein. Une erreur défensive. C'est pas un but franc, mais c'est pas grave. Allez. Gola, 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 gola. Zone del scanner. Allez, première mi-temps. Pas de changement. On va essayer de garder un autre changement pour tout à l'heure si jamais il y a un blessé. On va jouer comme ça. On va rester en offensif. C'est parti. Guendouzi, il apporte vraiment dans le volume de jeu. Bon, c'en est où, Maxou, de cette voiture? Parce que se dorer la pilule, c'est bien beau. Mais il faut quand même construire cette voiture. Enfin, construire. Retaper. Allez, vous êtes en supériorité numérique. Allez, Trincao. Trincao, t'es passé. Oh, t'étais devant Guendouzi. Oh, sur ma vie, tu étais devant. Putain. Putain, on va se prendre la contre-attaque là. On se prend la contre-attaque. Non, non. Oh, joli. Joli. Où ça part loin? Où ça part loin? Oh, le passement de jambe. Oh, le poteau, j'y crois pas. Oh non, le poteau. On était si proche, putain. Fais chier. Oh, on était à deux doigts, sérieux. Putain, on va se prendre un vieux but sur contre-attaque là. Pff, heureusement, il est là, le gardien. Allez, Atal. Non, tu perds des ballons cons, Atal. Non. Prends-la. Lui, il a fait une retournée acrobatique pour faire une passe. Pour la passer en plus à l'ennemi, donc. Bon, ça part un peu en couille ce match. C'est un peu TB. Allez, reprends-la. Allez, Ronny. Allez, Ronny, pousse ton ballon, Ronny. Allez, Balotelli. Oui!
Ça avance petit à petit, petit. Mais c'est les vacances, on se repose. Ben, t'as bien raison, repose-toi. Les vacances, c'est fait pour se reposer. Et après, on travaille. Vamos, 11 buts en 11 matchs. C'est pas beau, ça? Balotelli. Bon, ben, on revient dans le match, hein. Eh oui, c'est serré. J'allais dire une connerie, mais je suis abstenu. Magnifique. Olé. Allez, Ryu. Tu sors, tu fais la passe. Ndouzi. Oh, Ndouzi, oh! Non, par contre, là, c'est complètement con ce que j'ai fait. Ouf, c'était tendu là. Il est tout seul là-bas. Oh, je l'ai vu. Balotelli. Oh, il s'est fait emmener. Bon, le but là, c'est quand même de gagner. Hein. À 2-2, je le joue la victoire. Il reste 20 minutes. Enfin, 20 minutes dans le jeu. Ouais, par contre, ça serait con. Oh là là. Oh, la frappe, elle était lourde. Hein. La manette, elle a vibré. Andy Delors qui nous fait vraiment du mal. Ça fait mal de vivre sans toi. Olé! Ok. Mais on s'en fout. On s'en bat les couilles. Montpellier. Oui, donc prochainement, l'arrivée de l'alligator uruguayen. Pourquoi? Ben, tout simplement. Hop, parce qu'on a acheté Suarez. Enfin, on a acheté. Je dirais, on a fait échanger Suarez contre Milik. Sachant que Suarez, je préfère son profil à celui de Milik dans ce jeu, en tout cas. Va arriver d'ici 3-4 matchs à la trêve hivernale. Ah, Guendouzi! Oh, tu passes, Guendouzi! Oh, le croisé, dommage. Ça va le faire, ça va le faire. Ça va le faire. Ouais, par contre, faut rester concentré. Non, mais il faut pas reculer! Oui, voilà, j'ai cru qu'on allait se prendre un but dans la lucarne là. Non. Ça fait un peu voler le ballon comme de la merde. Allez, sorti, sorti pour nous, pour nous. Ah, c'est pas ce que je voulais faire. C'est pas ce que je voulais faire. Allez, il tente de passer en ultra-offensif, même sans prendre une contre-attaque. C'est peut-être une erreur que j'ai fait. Je joue très gros, mais c'est pas grave. Allez. Allez, Balotelli. Hop. Allez, ça part. Tout seul. Allez, Ricky. C'est toi qui dois le marquer. Non, c'est pas toi. On n'arrivera jamais à le récupérer. Il a une grosse blessure, Ricky. Oh, Guendouzi. Oh! Non, même pas! Putain, on avait trouvé le gardien! Putain, ça veut pas, hein! Ça veut pas, je crois qu'on va faire match nul, les gens! Vitacle! Non! Oh là 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 là, on a failli se prendre un but à la dernière minute! Joli arrêt de Ryu! C'est peut-être.
C'est peut-être pas fini si on arrive à contre-attaquer, mais ça va être difficile, je vous préviens. On n'a pas récupéré la balle en plus. Ça va siffler. Je crois bien que ça va siffler, les amis. Là, il garde trop le ballon. Ça va siffler. Dernière action. Dernière action. Ah là là, j'y ai cru. J'ai cru qu'on allait continuer, mais non. Non, 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 non. Bah écoutez, 2-2. Entre le deuxième et le troisième de Ligue 1. On se quitte dos à dos. C'est pas une bonne opération pour nous. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire. Ils auraient pu nous passer devant. Écoutez, on reste dos à dos. On prend un point chacun. On va voir. On va voir ce classement. Ah, Paris et Lille ont fait 1-1 aussi. Ça peut être une bonne opération pour nous, par contre. Ah ben. Match de Ligue des Champions contre l'Atlético. Bon, écoutez, on regardera le classement de la Ligue 1 après. Là, on va faire ce match de Ligue des Champions avec la conférence de presse. C'est parti. Je sais pas si t'es toujours là, Maxime. Mais... Voilà, c'est lui que je disais que c'est un kebabier de Marseille. Il a pas la tête du mec qui fait des kebabs à Marseille? Non? Ou des sandwichs, qui tient une sandwicherie, tu vois? Comment allez-vous préparer le prochain match? Il faut faire des changements. Ne pas sous-estimer l'adversaire. Non, tu crois? C'est l'Atlético. Personne ne peut ignorer nos récentes performances. Les joueurs font beaucoup d'efforts. Et je sais qu'on mettra ça de côté pour faire une prouesse. La dernière fois, vous aviez passé 3 buts à cet adversaire pour vous imposer facilement. Ouais, on avait galéré quand même, hein. C'était des coups de chance, les buts, hein. Mes joueurs peuvent le faire, évidemment. Il faut savoir s'ils ont retenu la leçon. On va pas être prétentieux. Mes joueurs peuvent le faire. J'ai confiance en mes joueurs. Bon, allez, ça va. Ciao, Maxou. Ciao. Amuse-toi, viens chez toi. Passe le bonjour à ta famille. Vous enchaînez les bons résultats. Pensez-vous pouvoir continuer ainsi? Tu sais à qui tu parles? On peut faire encore mieux. Il ne faut pas se laisser se perturber. J'en suis sûr. Ouais, c'est bon? Ah, ouais, me dis pas pardon. Pas de pardon avec moi. Attention. Allez, on y va. Ah, Gavi me demande, me fait une demande. Sur le banc. J'espère que vous n'allez pas me mettre sur le banc. Il veut jouer pour ce match. Des grands matchs nous attendent. Et d'ici là, j'ai besoin que tu sois en super forme. Comment te dire que tu ne vas pas jouer? Mais que tu vas jouer les prochains matchs. C'est faire passer doucement la pilule, cette phrase. Non, mais écoutez, on va voir. On va voir, on va voir, on va voir. On va voir parce que c'est un gros match et que j'aurais bien voulu. Il va jouer, mais peut-être pas titulaire. Peut-être pas titulaire. Ryu a fait une grosse performance. Il va peut-être reprendre la place de Mandanda si je trouve peut-être un acheteur pour Mandanda. Après, en soi, je suis premier. Je peux faire jouer Ryu. Mais de base, je voulais faire jouer Mandanda. Donc, ça sera Mandanda cette fois-ci. Balotelli, tu restes à ta place. Les autres, c'est bon. Juste Rongier qui va jouer à la place de Guendouzi. Je fais tourner, hein. Je fais juste tourner l'effectif. Uniquement pour ça. Le but, c'est de rester à la première place, hein, de toute façon. Ah, intéressant. J'aimerais bien savoir qui ils ont mis comme tifo, l'OM. Ils sont le même homme. Oh, Grimaldo. Sympa. C'est sympa. Petit hommage à Grimaldo. Ronaldo et Payet. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Non, je ne crois pas. Allez.
Oh, on a essayé. On a raté. La maîtrise du match, c'est ce qui nous fera gagner. Faire tourner. Payet, c'est pas un rapide. Faut empêcher de qu'ils prennent de la vitesse. C'est vraiment le truc à faire chez eux. Par contre, ça, c'était une connerie que j'ai faite. Eh ouais, bah, la connerie, ça se paye direct. Hein. En plus, c'est Suarez, c'est celui qui va être transféré chez nous. Voilà. Écoutez, raison de plus pour. Putain, pourquoi tu marques contre nous? Tu vas venir chez nous? C'est toi avec nous que tu vas jouer la Ligue des Champions. Je crois pas. Bon. Saliba, Klaus, Camara. Un petit tacle, c'est pas grave. Ça c'était joli. Ouf. Oh! C'était un bel enchaînement. Ça aurait pu mener à quelque chose, mais c'était temps d'axe. C'est temps d'axe. Lève-toi, Payette. S'est pris un but dès le début, but qui aurait pu largement être évité par manque de concentration. J'étais en train de parler de ça en plus. Il fallait rester concentré dans un match important comme celui-ci. Bon, on est bien sorti. Il n'y a rien! Qu'est-ce que tu parles? Allez, Klaus. Dehors. Non, 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 non. C'est pas ça que je voulais que tu fasses. Je voulais que tu fasses un passement de jambes. Il va revenir, il n'y a personne. Oh! Tendu. Pas évident, mais bon. Déplacez-vous. Oh, le double contact qui aurait failli marcher. Pareil, une erreur là, une erreur défensive. Ouais. Temps d'axe. Hein. Je parle pas beaucoup parce que je suis concentré, mais c'est temps d'axe. Hein. Eh oui, hors-jeu. Allez. Allez, Gerson. Dégagement du gardien.
Ça, il veut. C'est compliqué. C'est. Tu sens qu'à la moindre erreur, on peut se prendre un but. Ils peuvent nous rafaler. Là, il y avait une erreur. Heureusement qu'ils sont pas rentrés dans la brèche. À nous. Ah, c'est bien pour mes poteaux. Mets tes cartes un peu. Non, non! Oh, il était à bout portant. Y'a faute là. Et oui, il sort le carton. Allez, tu es parti, Payette. Non, centre mieux. Centre mieux. À la mi-temps, Gavi rentre. Je vous le dis. J'ai fait une faute, hein. J'ai fait une belle faute. Putain, tu t'es écarté! Je l'avais passé, je l'avais dribblé. Hein. Bon, bah écoutez, pour l'instant, c'est bon. On va regarder si le live fonctionne toujours. J'ai eu des bugs, c'est pour ça que je vérifie. Nickel. Ça marche du tonnerre. Voilà, ça marche bien. J'avais dit, rentrée de Gavi. Rentrée de Gavi pour mettre du punch. Trincao, parce que Under, je ne l'ai pas trouvé flamboyant. Peut-être Guendouzi. Ronaldo, pas flamboyant du tout. Donc Balotelli va rentrer. Et on va stopper là. Faut jamais abandonner. Jamais abandonner. Putain, pourquoi tu fais ça? On sort. Ah, sur le fil du rasoir. Oui. Oh, dommage. Ça arrivait de loin, mais ça arrive. Ouh. Oh là là. De face à face. Alors, en même temps, Trincao, il vient d'arriver, hein. Donc, c'est beau. Toujours deux actions, deux occasions pour Trincao de plus que Under. Va falloir discuter sur le mercato hivernal des changements à adopter pour l'avancée de cette saison. En soi, c'est plutôt, l'ensemble est plutôt positif, mais il y a quelques petits trucs à régler quand même. Il y a des dossiers à régler, si vous voyez ce que je veux dire. En même temps, je demande des trucs impossibles aux joueurs. Voltaire is a genius. Je ne crois pas. Match nul et pour l'instant une défaite. Il envoie une patate. J'ai cru qu'elle allait passer.
Oh là là, putain. On se prend un deuxième but, mais... Chez nous en plus, hein. Chez nous. On est trop prétentieux là, hein, sur ce match de Ligue des Champions. On se prend une fessée, on se prend une claque, hein. On retourne à la réalité. Hein. Putain. Qui a donné de la voix. Putain, ça veut pas. Gavi, tout le monde s'est jeté. Baisse de vigilance avec lui, on se prend un but. Oh putain. Et ben voilà, on s'est pris le 3-0. Ouais, le but est magnifique. Hein. Il n'y a rien à dire sur ça. Hein. C'est pas VAR, il est chez eux. J'y crois pas. Mandanda. Va falloir se poser des questions, comme je vous ai dit. Je sais pas. C'est pas entièrement sa faute, hein. Là c'est moi, hein. C'est ma faute, majoritairement, mais bon. Joli. Ça veut pas, hein? Ça revient même sur eux. Voilà, ça peut partir. Et ouais. Oh là là, là on se prend vraiment une fessée. Hein. Les gars, là c'est la débandade. Hein. Oh, je suis dépité là. 4-0, j'y crois pas mes yeux. Le public pousse, mais malheureusement, ça ne suffit pas. Félix, il a été. Oh, Félix, incroyable. Il nous fait mal. Il nous fait mal. Il n'y a pas que lui, hein, mais. On n'a pas été tranchant. On perd trop de ballons. On n'arrive pas à se placer. C'est. Faut au moins en marquer un pour revenir à égalité avec eux au niveau du goal average, parce que ça va pas le faire. Hein. Ça prouve qu'on a eu un élan de confiance en Ligue des Champions et qu'il faut pas oublier de quelles équipes on affronte. Et qu'on est que. On est un grand club, mais on est un petit club en Europe. Comparé aux autres. Cinq tentatives de but, mec, putain. Et là, on a failli s'en prendre un. Hein. On a failli s'en prendre un. Y a plus d'envie chez les joueurs, là. Thank you.
Voilà, il y aura un but. Il y aura un but qui pourra peut-être permettre au Golavérage. Je crois qu'on les a gagnés 3-0 au match aller. Ça fait égalité si on regarde sur les deux matchs. Je sais pas. Je sais pas quoi vous dire, les amis. Allez, Mandanda qui sort. Ah, même les passes sont difficiles. On n'aura pas su faire autre chose. Déception pour ce match. On va aller assumer devant la presse, devant les journalistes. Je suis dégoûté. Bah, gentiment, c'est le moins de plus qu'on puisse dire. Vous avez marqué en dernier, pourtant vous avez quand même perdu le match. À qui la faute? À moi. Je suis désolé, mais je suis obligé de mettre ça. Hein. J'ai pas envie, mais. T'es bon dans la manière et sur le plan tactique. C'est exactement ça qu'il fallait mettre. Ça joue sur le moral de l'équipe, je suis désolé, mais voilà. Que s'est-il passé? Je n'ai pas d'explication. La pression était forte. Les joueurs ont tout donné. Non, ils n'ont pas tout donné. La pression était forte et ils ont cédé. Le match difficile, c'est le moins qu'on puisse dire. Comment expliquez-vous ce résultat? C'est de ma faute. J'ai même pas besoin de dire les autres réponses. C'est pas j'endosse totalement la responsabilité de la perte de ce match. Hein. C'est terrible. Bon, ben, on est deuxième de toute façon de Ligue 1. Là, vous voyez, voilà ce qu'on voulait voir. Je vais quand même regarder pour la Ligue des Champions, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça impacte. Ouais, vous avez vu, Bayern de Munich et Milan en 12 à 12. Hein. Ouais, ils sont passés devant. Hein. Comme nous, hein, 12-12 pour l'Atlético et l'OM. Et ça va être sur les deux derniers matchs que ça va jouer. Hein. C'est dommage, c'est dommage. Le Shakhtar de Donetsk. Tout a changé ici. Oh. On avait fait quelques recherches en prévision du mercato. 37 millions pour Darwin Núñez. Il a 81 et 30 millions pour faire revenir Lucas Ocampos. Est-ce qu'on tenterait pas de faire revenir notre ami? Ocampos. 30 millions. On tente, hein. Difficile. On retire la clause de revente. On va proposer 35 millions. Pas plus. Ils sont être off. Ils ont accepté. Et on va essayer, pardon. De mettre 40 millions pour Darwin Núñez.
40 millions et on va mettre échange de joueurs. On va lui proposer un autre truc. Un attaquant. Réfléchis. On va proposer 30 millions. Ou 40 millions, je sais plus. On ne pourra pas faire les deux, à mon avis. Ocampos, Costo, Darwin Núñez, star montante. Je pense que faut éviter. On va négocier pour son salaire. Il veut jouer en rotation, ça m'arrange. On partira sur un contrat de 5 ans, voire de 4 ans. Si je le fais revenir, il y aurait la clause de contrat. Et tu en auras pour 50 millions, 55 même. On va mettre une prime de 2 millions. Voilà. Retirer la prime. Soumettre l'offre. Allez. Suarez, Ocampos. Peut-on acheter... Ça me va. Darwin Núñez viendra à l'OM. Bah écoutez, c'est bien pour nous, ça, c'est bon pour les affaires. Recruter un milieu serait pas mal aussi. Pour la profondeur de champ. Mais hauteur de 10 millions. C'est pas grave. On a tenté. Voilà. On a deux petites recrues, enfin deux grandes recrues même, qui arriveront. Notre équipe va pouvoir être soulagée, Payet va pouvoir être soulagé. Ronaldo également, qui ne fera pas malheureusement 36 saisons. Et on va voir aussi également dans ce live, on va prendre le temps maintenant de voir les contrats de certains. Alors, Paulo Lopez, on va le garder. C'est un gardien crucial. Son contrat ne lui convient pas. Pour l'instant, je pense que on va laisser passer un peu les années qu'il a et on va voir. Mandanda, par contre, oui, il est un joueur de manuel d'histoire, mais va commencer à perdre de sa superbe. Et je pense que on va laisser à l'OM le temps de voir ce qu'il compte faire, pardon. Martin Riou, par contre, va rejoindre l'AS Vérone à expiration du contrat, c'est-à-dire il est un joueur de l'OM, j'espère.
Putain, je crois qu'il a signé, non? S'il a signé à l'Hellas Vérone, je serais dégoûté. Vraiment. Parce qu'il a mérité le titre que je vais lui donner. Celui du 29. Grimaldo se fait très bien son équipe. Kolasinac va être mis sur le marché des transferts. Voilà, on a pas réussi à lui trouver sa place. Pérez, malheureusement, aussi. Camardine l'est déjà. Attal va. Être mis sur la liste de prêt. Klaus va rester, bien sûr. Camara va rester. Gueye. Gueye a pris 80 pour Gueye. Gueye pourrait être une belle petite recrue en revenant d'Aston Villa. Écoutez, il va rester encore un moment là-bas et on verra. Skirtino va être vendu. Radonjić va partir à Valence. Strootman partira à la retraite cette année. Il n'a pas besoin de contrat. Je pense qu'on peut le retirer de la liste des transferts. Il raccrochera, c'est sûr. Ricky Puig va devoir faire un stage en prêt. Bertelli s'en va. Soirée s'en va aussi. Oups. Nadir s'en va. Targerlin aussi. Gavi. Toujours là. Rongier. Valentin Rongier. Toujours là. Gerson aussi. Guendouzi aussi. Tongia s'en va. Payet reste. De la Fuente va partir en prêt. Et mince. Trincao reste. Il fait une saison énorme plutôt. Under. Très bon mais compliqué avec Trincao. Hein. Belle petite concurrence. Bamba Dieng. Voilà, on rejoindra Benfica. Balotelli reste. Gueye, le deuxième, part. Milik. Par Ronaldo reste mais pourrait partir en fin de saison. Pedro continue son prêt. J'y songerai. Strasbourg, le prochain match. Contre la saucisse. Bon, ce live va être terminé pour aujourd'hui. Je réfléchis, hein. La prochaine fois, on se retrouvera un peu plus en forme parce que là, je vous avoue, c'est un peu la fatigue qui reprend un peu le dessus. On se retrouvera en meilleure forme aussi sur les matchs parce que là, comme vous l'avez vu, un nul et une défaite. Pardon, j'ai dû taper le micro. Un nul et une défaite, c'est pas ce qu'on aimerait de mieux. C'est même très décevant au vu de ce qu'on a produit. Dernièrement.
Et on va essayer de gagner, on va essayer de gagner, on va essayer de récupérer cette première passe en Ligue 1, pardon, en Ligue des Champions. Et en Ligue 1, on va essayer de maintenir sa position, voire de dépasser le PSG, de maintenir la première place. Le top 3, c'est ce qu'il nous faut pour la Ligue 1. Le top 5 serait un échec. Voilà, je pense que ça serait un échec pour le club. Le top 3, c'est la priorité. La Ligue des Champions est une priorité aussi. On est l'OM. Maintenant, on va voir les matchs qu'on aura et on va essayer d'aller le plus loin dans la compétition. Voilà. Je pense que le mercato, bon, vous l'avez vu, il ne nous reste plus beaucoup trop d'argent. Je pense que si on trouve une bonne affaire ou qu'on arrive à dégager un peu de masse salariale et d'argent de fonds, je pense qu'on pourra se permettre d'acheter un milieu. Mais je pense que le mercato, là, actuellement, il est bouclé pour nous. On a eu Suarez, on va avoir Ocampos et on aura Darwin Núñez. Donc on a décidé de renforcer l'attaque avec un attaquant gauche, un attaquant de pointe, enfin deux attaquants de pointe. Donc le but étant de bien sûr faire tourner la page de Ronaldo et de Balotelli dans un futur proche. Parce que Balotelli ne me déçoit pas, mais Ronaldo me déçoit. Ronaldo, j'arrête pas de le dire, mais sur cette saison, il est pas là, quoi. Il est pas là, il assure pas. Et je pense que si on a un tueur face à aux cages, un mec qui a pas peur. Un peu dans le profil de Darwin Núñez ou même de Suarez, même s'il a d'expérience, je pense que ça peut être que bénéfique à l'OM. On verra ça dans les prochaines saisons et dans les prochains matchs. Bon, du coup, je vous dis ciao tout le monde. Ce fut un live plein d'émotions, court, relativement court, un peu décevant, je vous avoue. Regardez-le, vous pouvez vous abonner, vous abonner à la chaîne YouTube, vous abonner à la chaîne Twitch, regardez les rediffs sur la chaîne YouTube. C'est pas le live le plus exaltant qu'on ait fait, mais écoutez, c'est un live quand même. Voltaire is a genius, or not. Et voilà. De toute façon, je changerai le nom de la séquence parce que c'est pas du tout ça. De toute manière, je changerai le nom de la séquence parce que c'est pas du tout ça. Je vous dis ciao tout le monde et on se retrouve d'ici peu. À très vite.